L'Hermione, véritable réplique du navire de Lafayette, est enfin arrivée dans le vieux port. Malgré les conditions climatiques, le commandant de bord a réussi sa manœuvre et a accosté sur le quai de la Fraternité. J'espère que ça va vous plaire. Merci à tous. Vive Marseille! Vive Marseille! Alerte générale! Oh! Hiroki Sakai frappe, mon petit! Le goal! Le goal! Le goal! Hiroki Sakai! Le rêve est en demi-finale! On y est! Jean-Kevin, qu'est-ce que c'est que cette célébration? Ça n'a pas servi de leçon, Kurzawa? Tu sais pas? C'est pas bien, faut pas faire ça. Au final, vous êtes éliminé, c'est comme avec Di Maria. Eh ouais, désolé. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit, parce que j'ai plein d'amis à Marseille et les supporters le savent bien, je rêve que Marseille vienne gagner une deuxième Coupe d'Europe. Et bonjour tout le monde, je suis Transylvanie, gros, et avec comme Ferrachi, c'est pourquoi que j'ai les envois, c'est parce que je suis Ferrachi, et ouais que je suis Ferrachi, gros, je suis Ferrachi ce soir, me fait bander. Je suis pas bien, j'ai plus de voix. Ah, oh, si un message à faire passer ce soir, un seul message, c'est Augustin, oh Kevin Augustin, ah, à qui tu as demandé de se taire? Au peuple marseillais tu as demandé de se taire? Hein? Oh, tranche le camp, écoute-moi. Bref, et bandé ce soir. Et on est en demi-finale. On est en demi-finale d'une Coupe européenne. Le seul club français à ce niveau. Et nous, on n'a pas dépensé 1 milliard depuis 5 ans, nous. Alors, je ne veux pas faire de polémique. Mais j'espère que la France du football reconnaît maintenant que oui, l'OM, c'est le premier club de France. Ouais, je crois que je suis encore sous choc. C'est une soirée exceptionnelle. Un match exceptionnel, une ambiance exceptionnelle. Voilà, comme je l'ai dit sur mes réseaux, les supporters, ils m'ont fait rêver toute ma jeunesse et même en tant que joueur, ils continuent à me faire rêver. J'ai plus trop de voix là, j'ai trop crié pendant le match. Non, ce soir, ils ont été le 12e homme, comme on dit. C'est exceptionnel ce qui s'est passé. On a montré qu'on était solidaires et on a montré de la grinta et on a montré qu'on lâchait rien. Les gars, quel seul club de France qui a pu le faire en Europe cette année? Olas, tu peux commencer à nettoyer ton stade? Olas, nettoie le stade, on arrive! On arrive! Et puis la fierté, c'est aussi de voir un vélodrome comme il l'a été ce soir, non seulement battre le record d'affluence, mais être en feu toute la soirée. Ça a été un grand, grand, grand moment. Et de le faire avec deux minots dans l'équipe, Bouba Camara et Max Lopez, et je crois que c'est encore plus un motif de fierté.
je sais même pas ce qu'on ressent en foot. Moi, j'étais à deux de pleurer, c'était tellement fort en émotion. Ouais, je sais pas, en plus, Hiroki, son anniversaire aujourd'hui, il marque pour son anniversaire, son premier but à l'OM en plus. Donc, ouais, je pense qu'on est tous devenus fous sur ce but. Et, Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va la gagner chez toi. Jean-Michel Aulas, Jean-Michel Aulas, on va la gagner chez toi. Hein? Quel match. Et le stade, quand il est comme ça, c'est fou. Je suis bien content pour ces PD là, arrogants là, au match aller, là, comme ils étaient sûrs de gagner. Foiré. Si Marseille vient jouer la finale, tout Lyon sera derrière Marseille pour qu'il gagne cette finale d'Europa League au Groupama Stadium.